La cache d'armes découverte à Bégnon dans le Morbihan devient embarrassante pour la police. On a appris ce mercredi que l'un des deux hommes mis en examen est un policier rennais soupçonné d'avoir détourné des dizaines d'armes saisies. Ce fonctionnaire de 59 ans était chargé des scellés judiciaires et de leur destruction. L'autre mis en examen est le propriétaire du hangar où étaient cachées les armes. Les deux hommes ont été relâchés sous contrôle judiciaire à l'issue de leur garde à vue. À Plouguenat, dans les Côtes d'Armor, une ferme veut nourrir les hommes et les bêtes avec des algues microscopiques. Derrière ce projet ambitieux à 32 millions d'euros, l'entreprise LDC Algae qui cherche à exploiter les bienfaits de la chlorelle. La chlorelle qui est un concentré de vitamines d'acides aminés. Après 5 années d'essai, LDC Algae entre dans sa phase industrielle et vise à produire 500 tonnes de chlorelle dès cette année. Il ne manque plus qu'à l'entreprise un dernier agrément sanitaire. Commémoration du 8 mai pluvieuse en Bretagne ce mercredi. Comme à Carhaix, les cérémonies du 74e anniversaire de la victoire de 1945 ont été quelque peu perturbées par les bourrasques et la pluie, mais ça n'a pas empêché les anciens combattants de répondre présent. La Coupe du Monde des joueuses de l'équipe de France a déjà commencé à Perros-Guirec. Les footballeuses sont arrivées ce mercredi sur la côte de Granit Rose pour 4 jours de stage, l'occasion pour les 3 Guingampais sélectionnés de rencontrer les supporters. Enfin, quelques-uns seulement, puisque les entraînements de jeudi et de vendredi sont seulement ouverts au public sur invitation. C'est le grand soir pour Guillaume Pape. Le chef brestois de Lambrin dispute ce mercredi la finale de Top Chef, l'émission culinaire de M6. Entré discrètement dans la compétition, Guillaume Pape est devenu au fil des repas l'un des favoris en remportant le plus d'épreuves. Sa victoire montrerait une fois de plus que la cuisine bretonne est bien la meilleure de France.